Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Zerator TV. Je vous souhaite le bienvenu à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Zerator. Vous avez toutes les informations ici et ça c'est plutôt intéressant. Bienvenue sur ce live. Nous allons jouer à Minecraft pendant eh bien 2 heures, accompagnés de gens qui jouent à Minecraft et qui sont plutôt contents, n'est-ce pas? Nous allons jouer avec Fucano et As de Pique. Alors Fucano et As de Pique qu'on va totalement appeler sur Skype bien sûr et qu'on va pouvoir entendre évidemment. Alors pour l'instant vous ne pouvez pas parler sur le chat IRC. Nous avons mis un mode dans lequel vous ne pouvez pas parler exprès pour vous expliquer quelques règles. Bibi est en train d'expliquer, donc laissez-le écrire et expliquer un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, je suis en train de lancer le jeu hein, petit à petit par rapport à ça. Je crois que c'était celui-là le truc, voilà exactement, c'était ça le truc de Minecraft. Donc parfait, on est en train d'aller sur le serveur. Serveur qu'on ne vous donnera pas. Ce n'est pas un live avec les viewers, c'est un live entre nous pour expliquer un petit peu le PVP et toutes ces conneries. Je suis avec As de Pique sur le serveur. Il va m'expliquer pour l'instant. Hop, je vais dire d'appeler la conf à As de Pique et ensuite eh bien on va pouvoir y aller. Voilà, nous allons vous kicker, vous bannir à vue sur IRC si vous êtes trop des tardes et des tardes. On sait qu'il y en a, donc il n'y a pas de problème. Alors bon, voyons voir. Voyons voir. Hop, attendez, je sais. Hop. Voilà, je leur donne la conférence Skype. Et ensuite, on ira sur un Mumble. Ils vont un petit peu nous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Même moi, je suis pas très au courant de ce qu'on va faire. Hein. Vous savez, la secte Minecraft a prévu des trucs sur le PVP, sur des trucs comme ça. C'est un petit peu chaud. Enfin bon, nous allons répondre en espérant que Skype ne bug pas. Allô? Bonsoir, mon tonton. Waouh, le son oui, est fort. Wouh, nickel, ça va. Ok, comment ça va les amis? Ça va bien et toi? Ça va super, donc ça c'est As de Pique. Mais nous avons aussi Fucano qui est avec nous. Comment ça va Fucano? Il n'est pas là. Ça va très bien et toi? Ah si, il a encore du délai sur Skype. Un délai si, de il est à là, peu près 4 secondes, j'ai l'impression. Fucano, ah oui, alors par contre... Ouais, du coup, je pense que je vais raccrocher et qu'il faudrait que tu appelles As de. Ouais, j'appelle moi, je recall. Ok. Pas de soucis. Bon, nous sommes en... C'est du direct, mesdames et messieurs. Ce sont les aléas du direct. Il n'y a pas de soucis. As de Pique va rappeler la conf. Nous décrochons. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de décrochage. Allô, Zerator, es-tu là? Oui. Alors, on va faire un test. Fucano, comment ça va? Ça va très bien et toi? Nickel, il n'y a pas de délai, nickel. Bon. Splendide. Bon, splendide. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Un soir de plus. Qui va être placé sous le signe du PVP. Je crois que t'avais dit de merde. Un soir de merde et non. Qui va être placé sous le signe du PVP. Alors vous allez un petit peu nous expliquer avant d'entrer dans ce PVP qui va jouer avec nous ce soir, messieurs. Alors ce soir nous aurons quelques-uns de la team Patrick. D'accord. Donc dans l'ordre nous aurons Aznet, Soulstealer, Paz52, Nox, Ion. Fuka, Zerator et moi, et il y aura encore 2 personnes surprises qu'ils n'ont pas encore trouvées, qui vont pas tarder. Ils ont essayé de trouver des tardes pour pas que... Voilà, pour pas qu'on fasse violer en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, Nox et Ion, c'est alors un néerlandais et un allemand, et ils sont un peu forts. Quoi. Mais pourquoi vous mettez pas les gens trop forts avec nous, comme ça on gagne? Parce que moi je suis nul, je vais être useless, je pense. On voulait faire un stream en français en fait, donc Ion ne parle pas français et Nox apprend le français, donc voilà. Mais bon, on aura Paz qui est un gros PGM, donc il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est la team Patrick pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que je sais qu'il y en a certains qui ne connaissent pas, certains connaissent, d'autres non. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ses origines, ses buts, sa façon de vivre, je sais pas, voilà. Qu'est-ce que c'est la team Patrick? Fouca. Bah, déjà, on peut parler de l'origine. C'est à la base Aipierre, Harry Lafranc et Aznet qui sont donc 3 youtubeurs minecraftiens qui ont créé cette team pour le fun et qui ont appelé Patrick pour une raison inconnue. Une raison inconnue, c'est vrai? Ouais. Connu mais non révélé. Connu mais non révélé, d'accord, très bien. Et donc ils ont créé en fait un serveur sur le mode Feed the Beast, qui est un mode pack de 27 modes je crois à la base, et qui a beaucoup de contenu à Minecraft. Et ils ont créé donc ce serveur Feed de Patrick. Et au fur et à mesure ils invitaient des gens sur ce serveur donc qui est resté privé, notamment des youtubeurs tels que Bill Silverlight, As de Pique, Taek, moi-même, etc. D'accord. Ok. Alors quel est le but de cette communauté? Est-ce qu'il y a un but final ou c'est juste voilà c'est un regroupement et c'est fun et vous faites des trucs ensemble? On est surtout une grande bande de potes en fait. Ok. Ouais, voilà. Voilà. Initialement c'était vraiment juste le serveur et c'est devenu une super bande de potes où on fait plein de lives sur plein de choses ensemble, sur plein de jeux. On a fait des rencontres en IRL donc. Ok. Donc voilà, c'est vraiment une bande de potes quoi.
D'accord, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt sympa. Mais c'est vrai que moi j'en avais déjà entendu parler. J'avais vu pas mal de tweets à l'époque où ça s'était lancé, je crois. Et donc j'avais même répondu à un tweet un jour. Et je trouvais ça marrant. Moi qui pensais que c'était à la base pour Patrick Sébastien, j'étais un petit peu déçu hein, quand j'ai appris que ça n'avait rien et à même voir. Même pas, non. Pas du tout. Mais voilà, moi qui étais un grand fan de Patrick Sébastien, je me disais ça a peut-être un rapport. Enfin bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, alors on est sur un serveur là. Alors expliquez-moi, parce que moi, Minecraft pour moi ça se limitait à construire des trucs, machin, tuer des moutons, faire de la laine, des couleurs, machin. Et là on est sur un serveur donc totalement différent. Donc, alors, totalement différent, oui et non. Alors là, c'est une petite patte que j'ai préparée cet après-midi qui va me permettre de t'expliquer les bases de ce qu'on va faire au niveau du PVP. Et après, on va rejoindre un autre serveur sur une map complètement custom. Donc pour ceux qui connaissent sur le live, c'est Rush. On va commencer par un Rush qui est la map actuellement, une des maps les plus jouées en PVP. Et la plus appréciée surtout, je pense. La plus appréciée également. Donc voilà. Et là, du coup, en fait, je vais essayer de t'expliquer les bases de comment ça se joue, etc. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'en 15 minutes, on peut apprendre? Comme ça, on arrive à 20h30. Oui, la base sans souci. Donc là, en fait, je t'ai fait les panneaux pour tout expliquer. D'accord. Donc ça va aller vite. Il est sympa, donc, vous avez vu. Il m'a tout préparé comme un gros tarde, c'est nickel. Si tu veux bien, on va le faire dans l'ordre. C'est en fait. Parti. Donc, t'as trois sortes d'épées, ça on avait vu. Hein. Donc t'as les épées en pierre, après t'as les épées en fer qui sont plus fortes que les épées en pierre, et les épées en diamant qui sont plus fortes que les épées en fer. D'accord. Sur un map Rush, il n'y aura que des épées en pierre, sauf erreur. Non, en or. Qui tape aussi fort que les épées en fer. En pierre. Et pierre, sur la deuxième map, il y aura d'autres. Les épées en fer, sauf qu'elles ont une durée de vie très courte. Voilà. D'accord. Ensuite, bon, bah, t'as les différentes armures. Donc là, j'ai mis des armures en iron, donc en fer, mais on aura surtout des armures en cuir qui permettent de différencier les équipes parce qu'on peut les teindre en différentes couleurs. Donc il y aura une équipe bleue, une équipe rouge. Ensuite, tu as l'arc et la flèche. Alors en fait, sur Rush, il y a une spécialité, c'est que l'arc a un enchantement dessus. Et l'enchantement, c'est Infinity. Ça veut dire que tu vas devoir acheter un arc, une flèche, mais après tu pourras tirer autant de flèches que tu veux, même si tu as une seule flèche dans ton inventaire. Cool, très bien. Donc ça, c'est la base. Et en fait, alors Rush, c'est un bédoir, donc je vais expliquer le concept juste après, sur lequel il y a une petite économie. Donc en fait, on va spawner sur une toute petite île et il y aura des lingots qui vont apparaître. Donc il y a les lingots de cuivre, comme celui-ci, qui vont apparaître. On dirait des lingots de fer. Voilà, oui, c'est des briques en fait. Ok, des lingots de cuivre. Ouais. Très bien. Des lingots de fer, des lingots d'or. Et donc avec les lingots de briques. Avec les briques, on va pouvoir acheter tout ce qui est faible, donc la bouffe, les blocs, etc. Avec les lingots de fer, on va pouvoir s'acheter des épées, des armures, des trucs comme ça. Et avec l'or, on va pouvoir surtout acheter la TNT, l'arc et la flèche. Non, la TNT, c'est avec le fer. Ok, c'est avec le fer. Ok, j'ai rien dit. Mais moi, je vais pas acheter la TNT, ça me paraît beaucoup trop dangereux. C'est dangereux. Ah bah, en fait, c'est quand même le principe du Bedwars, parce que vas-y, je te le t'explique. Je vais t'expliquer le Bedwars juste après. À savoir que plus le lingot est important, plus il est rare. Donc tu verras, ils apparaissent très lentement sur en or. Évidemment. Avec ces lingots, en fait, tu auras sur ta petite île, tu auras des PNJ comme celui qui est là-dedans enfermé. Salut. Et tu te prends un stack. Voilà. Bon là, ne le tue pas. On va t'expliquer. Non, je le tue pas. Comment acheter. Donc quand tu auras tes lingots dans ton stuff, en faisant clic droit, tu peux ouvrir un petit market et y acheter des trucs, lui échanger des trucs. Ok. Donc là, c'est genre diamant contre redstone. Ouais, alors c'est des émeraudes, mais là c'est le PNJ de base, les PNJ qu'on aura. Et du coup, ben vraiment préparé pour, où tu pourras acheter seulement les blocs, les armures, etc. Vraiment les trucs uniquement pour le PVP. Ok. Ça roule. Donc voilà. Est-ce qu'on t'a perdu? Non, tu étais encore là. Ok. Non, je suis là. Ensuite, j'ai eu un petit lag en effet. Ouais. Mais alors, il y a un petit délai. Ouais. Ça drop sur le stream, je vois. Mais ouais, non, mais le drop, ça n'a rien à voir avec moi, mais enfin malheureusement. Ouais, ça, j'ai vu aussi. Avec mais expliquez-moi. Dans les PNJ, tu vas pouvoir acheter deux styles de blocs. Ouais. Alors. T'as la sandstone qui est là, c'est les blocs de sable, et l'endstone qui est juste là. En fait, la seule différence entre les deux, c'est que l'endstone résiste beaucoup mieux aux explosions. Donc, on va pouvoir protéger en fait ce qu'on devra protéger avec l'endstone pour éviter les explosions de TNT des ennemis. Ok. Voilà, il y a un délai. Est-ce qu'on a perdu Zator? Non, je suis là. Je pense que je lag. Ok. Ok, d'accord. Ouais, il y a du lag en effet. On est à ta voix d'ailleurs. Bon, si tant que tu nous entends. Je vous entends. C'est l'important, je pense. Ok, parfait. Alors, du coup, le dernier panneau ici, c'est le lit. Donc, là, du coup, je vais t'expliquer le but de la map. C'est ce qu'on appelle une bedwar. Ça veut dire que le but, c'est d'aller casser le lit de l'équipe adverse.
pour les empêcher de respawner. Parce que quand tu redéfinis ton point de spawn dans un lit, si tu casses le lit, ou si tu bloques son accès, tu peux plus respawner. Donc tu respawns au lieu d'origine qui est la zone de game over, en fait, sur la partie. D'accord. Donc on va casser ça, hop. Voilà. Juste ici derrière, je vais t'expliquer comment fonctionne un lit. Donc je vais faire un time set 16 000 pour mettre la nuit. Donc le lit je t'avais déjà montré. Tu fais ok, je peux pas définir la nuit. Génial. Bon bref, on peut pas dormir dans le lit, c'est pas grave, on peut dormir dans le lit uniquement la nuit. Donc tu fais clic droit pour dormir dans le lit. Donc ça c'est la première chose à faire quand tu te connectes sur le serveur pour redéfinir ton point de spawn en fait sur le lit, donc sur ton île. Okay. Et en fait après on va devoir protéger le lit de manière à ce qu'il soit pas accessible pour les personnes. Donc en fait tout l'endroit où t'as des lampes par terre, c'est les endroits où tu respawns à côté du lit. D'accord, ça marche. Donc il faut qu'il y ait en permanence au moins un de ces blocs qui soit libre. Donc par exemple pour protéger un lit en général on fait ça comme ça. Voilà, donc là il a pu dormir, exactement. Alors une fois que t'es couché dans le lit en fait tu peux en sortir, t'as pas besoin de passer la nuit. Et ton point de spawn sera faire genre un clic droit. Voilà, donc en fait ce qu'on fait en général c'est qu'on protège. Oui, tout à fait. Donc okay. Tu le fais une fois et après c'est bon. À savoir que si on déplace le lit, il faut le refaire, redormir dedans. Mais si on casse le lit et qu'on le remet exactement au même endroit, il n'y a pas besoin. Et okay. Du coup, pour protéger le lit, en fait, tu peux laisser un. Tu peux, il peut ne pas y avoir d'espace en dessus. Donc par exemple, si on le protège comme ceci, hop, là. Ah, d'accord. Si tu as dormi dans le lit, tu vas automatiquement respawner ici ou de l'autre côté. D'accord. Et du coup, le lit est protégé. Mais. Du coup, l'ennemi, il lui suffit de mettre un bloc. Non, je vais me suicider pour vérifier. Et du coup, si tu meurs, tu ne respawneras pas. Merde. Ah, si, c'est voilà, bon. Suicide-toi, voilà, meurs. Voilà. Ah, j'ai réussi. Et là, normalement, tu as respawn complètement autre part. Ouais. Ouais, bah en fait, c'est le point de spawn de la map. Et en fait, ce serait équivalent à la zone de game over. D'accord. Ok. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, donc, je pense. Je crois aussi. J'espère que c'est clair. Je pense que c'est clair. J'espère mais c'est clair. Après, il y a des trucs. Tu verras une fois qu'on sera sur la map. Je vais pas trop capter. Ouais, alors. Mais qu'est-ce qui se donc passe, en fait, le but de la map. Bordel, tu verras. Full lag. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu lag? Ouais. Et comment je prends les objets? Je fais un clic gauche et je les fais tomber, c'est ça? Non. Ok. Là, dans ce cas-là, oui, ici, mais ils sont pas dans les panneaux hein, sur l'autre map. Dans les panneaux, en fait, tous les d'accord. objets ils seront à acheter au PNJ. Et les lingots d'accord. en fait apparaîtront dans une espèce de spawner et il y a de l'eau qui les fera couler jusqu'à toi. Voilà, donc les lingots seront accessibles par terre, tu pourras simplement les ramasser. Ok, ça marche. Donc voilà, et tu verras donc la map Rush, c'est on sera en fait sur deux îles volantes, une île par équipe. Et le but c'est de faire un immense pont d'une base à l'autre et d'aller exploser le lit de l'équipe adverse. Donc au début c'est un peu de stratégie, faire un petit peu de protection sur l'île, éventuellement déplacer le lit, etc. Ouais. Et après en fait une fois que les ponts sont construits, ça va être du full rush ou de la full stratégie pour essayer de faire un autre pont par-dessous, ouais, ne pas se faire sniper à l'arc, etc. Au début ça prend du temps. Parce que évidemment il y a les lingots qui descendent, etc. Et pour ce stuff, pour faire des armures, pour faire des arcs évidemment. Parce que les arcs ça prend du temps vu qu'il faut de l'or, donc voilà. Ok. Ça marche. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Là, évidemment, c'est du PVP, mais c'est ce qui est dans cette map est spécifique à cette map-là et pas forcément oui, d'accord. général. Pas forcément pour n'importe vrai quelle dans map le PVP. Minecraft Vanilla ou sur une autre. Exactement, l'histoire des lingots, c'est uniquement sur Rush. Voilà, d'accord. L'histoire des lingots, c'est uniquement pour ce Rush-là. Tu verras Tower. Voilà, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont pas encore prêts pour le serveur, donc je peux rapidement t'expliquer le but de Tower. Donc la deuxième map qu'on fera si on a le temps, en fait c'est pas un bédoir, c'est on spawn sur deux îles chacun également et on a du stuff dans les coffres, tu prends le stuff dans les coffres et le but en fait c'est d'aller sauter dans une piscine qui se trouve dans le camp de l'équipe adverse et d'y sauter 10 fois de suite, enfin 10 fois que 10 joueurs de l'équipe y sautent dedans. Et ça, quand tu sautes dedans ça fait marquer un point à ton équipe et tu automatiquement téléporter dans ton spawn, okay. dans ta base. Écoutez, je vais tenter un redémarrage de stream parce qu'il y a des drops, donc je sais pas si c'est lié au serveur de daily, mais donc voilà, je vais tenter ça. Et ensuite on va voir si c'est bon. Donc on se retrouve dans 2 minutes les gars, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.